ce qu'on dit de la gauche de l'espace VIP et à l'extrémité gauche du site quand vous êtes face au spectacle, devant les hangars, deux points d'eau qui vous sont proposés pour pouvoir vous rafraîchir. N'hésitez pas à veiller les uns sur les autres et à alerter les secours si vous voyez quelqu'un qui est en mauvaise position. Après être passé par l'Amérique du Sud, c'est celui qui équipe au bout 40. Un moteur qui a fait cette fois, qui est fiable. Et qui va être efficace en fait. C'est bon, voilà. Il fallait que ce soit les mécaniciens qui les extraient, qui les transportent jusqu'à la température. Il y a des noirs en zinc avec de l'eau sulfureuse chaude. Parce que Almojima est venu dans cette source sulfureuse pour l'utiliser baigné avec un pack de bière placé sous la main. Est-ce que c'est pas ça, quelque part, que ça veut dire, faire corps avec sa machine? Complètement. Je crois qu'il y a un moment, c'est-à-dire qu'il était totalement soudé à leur machine, j'ai pauvre, et il ne volait plus pendant au moins 4 jours. Mais tu l'imagines, dans ces cas-là, ou même dans la carte. Si on va aller à l'intérieur de 4-5 heures de vol, il faut rester lucide. Il faut de rapporter les exploits, de raconter ce qu'a été cette guerre, de raconter ce qu'ont été ces missions, ce qu'ont été les combats. Et ce qui est très étonnant, c'est que Simpson et Dunlop savent raconter leur combat avec beaucoup de détails. Oui. Donc il y a ce flash d'une minute, où je pense que c'est la force de la répétition, le savoir-faire, le travail, où ils pouvaient raconter une suite d'événements qui se déroulaient à une cadence infernale. L'inconscient peut fixer les détails qui sont marquants pour tous les pilotes qui ont été amenés à combattre. Je pense que pas un seul est incapable de citer son... J'ai des familles sur le char de vol ou des enfants qui viennent me dire « Messieurs, tes grands yeux, vous êtes un pilote de Rafale. » Oui, c'est des machines extraordinaires et c'est bien que certains, encore aujourd'hui, ceci, comme sur tous les avions à hélice, on a ce qu'on appelle du groupe de gyroscopie lorsqu'on en accélère. Le P-51 sera l'un des derniers Warbirds à avoir un moteur en V. Initialement, mettez des moteurs en V pour que les cylindres soient installés de manière à avoir un moteur de moteur qui soit le plus aérodynamique possible. Forcément, ça limite un petit peu la puissance du moteur, mais c'est pas très grave parce que l'avion est beaucoup plus fin. Et...